vous pensez du fait qu'il y a un siècle, il y avait 5000 habitants à Saint-Étienne, il n'y en a plus que 450? Ben c'est que maintenant tout le monde préfère habiter en ville, alors du coup, ça déprime un peu quand même. Contrairement à la ville, on s'ennuie jamais. Il y a une bonne entente. On peut faire ce qu'on veut. On peut sortir. Notre climat nous convient très bien. Il fait chaud l'été, l'hiver on peut faire du ski avec la neige. Il pleut pas trop. Vous auriez envie de partir dans d'autres villes pour travailler? Non. Voilà. Pas la ville en tout cas. Non. À la campagne à la limite. Mais pas forcément ici, quoi. Ça peut être ailleurs. Ça pourrait. On pourrait partir, ouais. À revenir. Tu veux faire quoi, Damien, plus tard? Forestier sapeur. Et lui, tu veux faire quoi? Sage-femme. Et toi, Damien? Moi, terrassier, enfin conduire des engins. Et toi? Et moi, c'est dans le dessin. L'aide aux personnes, ou kiné, ou agriculteur. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous énervent dans ce qui se passe? Il y a trop de chômeurs. Ils pourraient donner plus d'emplois, enfin plus d'emplois. Au lieu de supprimer des postes, il ferait mieux d'en rajouter. Est-ce que c'est important pour vous de gagner de l'argent? Bah oui. assez pour gagner sa vie. Oui. Pour survivre. Quand tu regardes les joueurs de foot qui ont des millions à courir après une balle et que d'autres gens ils se crèvent la santé à travailler, ils ont rien, et c'est aberrant, mais bon. Donc là, le fait qu'ils fassent grève parce qu'on va les taxer à 75%, ça vous aurait pile. Ah oui. Qu'est-ce que vous penseriez si l'école fermait ici? Ah, ça serait pas. Ça ferait un vide quand même. Ouais. Il y a toutes les beaucoup, jeunes qui ont parti. Ouais, ça fait peur ou pas? Bah ouais, un peu. Ça, je trouve que ça risque de bien arriver, quoi. Ça va bien faire mourir le village. Bah, comme la poste qui a fermé, le gendarme, tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que l'école ferme? Des enfants. C'est en plus.